Dans la boutique, au milieu des dépôts de divers créateurs, il trône fièrement. Ses poufs faits de pneus sont l'œuvre de Frédéric. En octobre 2020, après une formation en tapisserie, cette ancienne monitrice éducatrice de 41 ans, en reconversion, s'est installée dans la commune et a lancé son commerce. Forcément sensible à tous les problèmes environnementaux qu'il y a, je me suis dit que de réutiliser les pneus et de créer un objet décalé, en plus avec le côté récup et le côté un peu traditionnel et classe de la tapisserie, ça pouvait être sympa. Une fois les pneus lavés, la jurassienne s'occupe ensuite de les peindre. Une matière première récupérée grâce à des particuliers ou chez des professionnels. Des pneus qui vont avoir, qui vont commencer à être très abîmés, forcément je ne vais pas les prendre parce qu'ils vont manquer de solidité aussi. Et puis après, moi je m'amuse aussi avec les formes, les gabarits, le dessin sur l'écran aussi, que je m'amuse à associer à mes tissus. Tout est fait à la main. Dans son atelier, Frédéric manie la scie sauteuse et la ponceuse afin de fabriquer un socle en bois. J'ai préparé donc trois morceaux que je vais assembler dans du bois de chêne en fait, qui est du bois, c'est du bois en fait qui est déclassé. L'assise est coupée dans une sorte de mousse avant que le tissu soit tendu grâce à des agrafes et orné de clous. Pour le moment, seuls des poufs et des tables basses en pneus sont commercialisés, mais l'artisane a de la suite dans les idées.